Hello les gens, ici c'est Shadow War et Amy, on se retrouve aujourd'hui pour un septième épisode. Si c'est Shadow War et Amy. Quoi? Sucer, non j'ai dit ici c'est Shadow War. Non t'as dit si c'est Shadow War. Sucer Shadow War et Amy pour un septième épisode, bien sûr, évidemment. Et la dernière fois on s'était laissé. Oh non. Justement. Dans les épreuves incroyables de la sagesse. Qu'on avait passé avec brio, naturellement, du premier coup, hein. Finger on se souvient. Et là, on va passer maintenant les épreuves de bravoure, de courage, pardon. De courage où, eh bien, certainement qu'on va affronter un ennemi gigantesque, je suppose, du premier... Ni no Kuni, vu que l'histoire du truc de courage, c'était sur le premier Ni no Kuni. Et, en effet... C'est lui ? Non, pas du tout. Bah alors... Et c'est Kong. C'est Kong, c'est King Kong. Oh putain. D'accord, alors j'ai oublié que... Voilà, c'est comme ça qu'on fait des roulades. Les petits billets. Mon dieu. Allez-y les petits billets. Mon dieu, il se torche les fesses. Wouah. Ça c'est beau. Oh purée, go. Go. Non. Don't do this. Ok, là il est énervé. Il est énervé, moi j'aimerais pas me mettre en face, hein. Il est énervé. Go! Oh! Ils sont fait dégommer! D'accord! J'avoue. Oh purée, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, vas-y, j'esquive et je te défonce. Ok, il est pas content. Go! Attaque trou noir! Mais non! Mais ils font n'importe quoi! Ah, non, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ok, je me fais vraiment des glingues. Je me fais déglinguer. Vas-y, allez-y, les gars. Si vous l'attaquez maintenant, je pense que vous pouvez le défoncer. Pas du tout, il vous a défoncé. Ok, go. Oh! Vas-y, boulet de canon! Brrr. Boule de feu. Hop. Vas-y, attaque, go. Dim. Bam! Niveau plus 1, montée de niveau. Ils sont tous montés de niveau alors qu'ils sont pas là. Les gars, on dit merci King Kong. Les bottes de cette Les bottes à clous. Parce que les bottes fourrées à l'air, c'est pas super efficace. Evan. Téléportation. Les mecs sont en mode. On a été téléportés, tout est normal. Yvan. Oh, tu t'en es sorti, on dirait. Ah, j'ai réussi. Oh god. Mais c'est lui le dragon méchant. Il parlait du dragon maléfique, c'est lui le dragon maléfique. Non, c'est un serpent, pardon. Pour moi. Evan, Petty Whisker, children, non, non, il y a une voix. A kingmaker shall be thine. C'est pour ça que vous allez mourir. Dôme de lumière. Oui, je pense que le dôme de lumière, c'est ça. Ah, le dôme de lumière a pété. On va récupérer Lumi. Non, c'est oh, machin, c'est Elio. Elio. C'est lui, le dieu. Il est trop mignon. Non, mais c'est lui, le gardien. Sérieusement. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette petite chose? C'est un monstre. Oh, the cheek. Pardon, je suis un gardien, tout ce qu'il y a de plus gardien. Yep. Alors, si tu continues de traiter de petites choses, crotte de nez ou de quoi? Ok, je te refais le portrait jusqu'à ce que tu sois méconnaissable. Hello. C'est toi le gardien? That's right, man. Ouais, je suis Elio. Enchanté, petit gars. Il me semble pas que ça soit marqué soupir. J'ai bien fait, hein. C'est Roland qui soupire. Alors, ça veut dire qu'Evan a réussi les épreuves. Trois petits points. Et qu'il peut maintenant devenir roi. You went wrong there. En gros, c'est ça. Puisque j'ai reconnu sa valeur, et tout le monde est dans quoi? Et tout le tout-team. Ah oui, d'accord. Cela dit, il ressemble pas vraiment à ce que j'avais imaginé. Ok. Dis donc, bande de malotrus, vous avez pas fini.
On a peut-être pas l'air, mais ça peut vraiment faire mal quand je m'y mets, vu. Bon, d'accord, pour l'instant, c'est pas forcément la forme, mais bon. Bref, passons. Tu voulais un pacte, petit gars? T'as pas un instrument sympa qui pourrait nous aider? Attention, hein, c'est un truc qui va nous lier pour la vie, donc t'avises pas d'utiliser un truc crac-crac que t'as déjà utilisé pour botter les fesses des monstres. Oh. Je ne savais pas qu'on avait besoin d'un tel objet. Oui, il parle de ta bite, oui. ça veut dire que je ne peux pas utiliser ni mon épée, ni ma baguette. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre qui peut servir? Il y a une baguette modeste, que j'ai oublié d'équiper d'ailleurs, pour faire le combat. Elle pourrait servir, non? Ah, t'es trop lent, je vais m'endormir. N'importe quoi, faire l'affaire, dépêche-toi de te décider. Qu'est-ce qu'on a récupéré qui pourrait nous être utile? On a récupéré un collier ou un truc comme ça? Ah! Ah! Qu'est-ce que tu penses de cette branche? C'est ça qu'on veut une... Attends, t'as bien dit une branche? Non mais tu veux faire le pacte avec une branche d'arbre, la vache? T'es dur avec moi là! Bon, tant pis, ça fera l'affaire. Et puis elle a l'air plutôt solide. Bien. Allez hop, c'est parti pour le pacte. Branlis ta branche et tiens-la bien. Mon dieu, ça va tourner à la pédophilie dans deux secondes. It's beautiful, righto? My turn. On dirait calcifère. Ouais, on dirait beaucoup calcifère. Bon, je pense que c'est clairement le truc qui sont. On se titille. J'ai déjà vu cette scène dans Avatar. Je sais exactement ce que ça veut dire. Mais... Jusqu'à ce que la mort nous sépare, un lien d'amitié. Hey, tu vois ce lien qui nous unit? On appelle ça une spiritua. Chaque roi en partage une avec son gardien. Ah, une spiritua? Ça m'a l'air bien fragile. Crikey. Normal, le pacte est tout frais, t'imaginais quoi? Mais je te le dis, plus le royaume du roi grandit, plus les liens avec son gardien s'amplifient. Dans ce cas, nous allons construire le plus grand des royaumes pour avoir la plus imposante des spirituas. Oh mon dieu, on dirait tellement un concours de bites. C'est moi qui ai la plus grosse spiritua. Hein. Bah tu l'as dit, mon gars. Oups, j'ai failli oublier. J'ai un autre truc pour toi. Hyper important. Qu'est-ce donc? Tiens, prends ça. Légaliseur, c'est incroyable. Pour gérer le son, c'est trop bien. C'est quoi, une tablette? Je peux aller sur Google avec? Et un peu de respect, mon gars. Cette tablette, comme tu dis, est en réalité une stèle qui contient les pouvoirs de gardien. C'est un légaliseur de performance. Ah, tu oh mon dieu. Légaliseur est une stèle imprégnée de la puissance d'Eldio, permettant de modifier vos aptitudes. Pour se faire sélectionner légaliseur dans le menu. Nice. En réglant correctement, tu peux influencer le cours du combat, et le résultat est parfois surprenant. Moi, je suis encore plus perdu avec tes explications. Tu sais, tu vois Shanti sortir sa faille. Ah, pardon, ça moi. Je suis encore plus perdu avec tes explications. Et comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de l'utiliser, son fonctionnement te reviendra naturellement. Bon, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Retournons vite au repère des pirates. Oui. Ah ouais, je suis tellement content. Comment ça, le repère des pirates, c'est qui? Le mec vient d'arriver. Ouais, je sais tout. Très bien, on a récupéré donc calcifère. Incroyable. C'était rapide hein, comme mission. Eh bien, vous avez du bon air chez vous. Plein de poussière. N'est-ce pas? Bon, allons annoncer la bonne nouvelle au boss. Si, mais la bonne nouvelle de quoi? Genre, sa fille, elle est partie 10 minutes, elle est revenue, voilà, c'est tout. Et genre, elle a rien fait. Genre, useless. Est-ce que tu me suis? Est-ce que je peux te bourrer? Non. Boum. Allez, boum. Allez, je suis sûr qu'il peut tomber. Non. Non, mais il est plus stable que les autres, j'y crois pas, quoi. Alors, oui. Le mais boss. Mais ta baguette modeste. Justement, c'était ce à quoi je pensais. Sors ta baguette, Harry. Je sors ma baguette, Harry. Utilise la force. Alors, c'est pas du tout ça.
c'est toujours pas ça. Ok, hop, équipement, attention. Tchis. Le sable, l'épée sylvestre, tout ça, la baguette rustique du vent. Non, nous voulons la baguette modeste. Oh, bien plus puissante. On a récupéré une armure en cuir qui est moins bien. Du coup, autant lui laisser. Ça, c'est les sorts. Est-ce que j'ai gardé un nouveau? J'ai pas gagné de nouveau sort, mais on a les bottines, c'est vrai. Les bottines d'épée, qui est un de moins, mais beaucoup plus de défense. Là, c'est dégâts infligés à l'épée, résistance au feu, résistance au... Ouais, bah du coup, vu que t'as pas d'épée... Ah si, t'as quand même des épées. Mais il va plus se battre de loin. Donc je pense que je vais plutôt donner les trucs à lui, sachant que ça lui augmente beaucoup plus. Et lui, son tenue, là, on va lui mettre une armure à cuir. Ah, avec plus de défense, mais elle est meilleure en termes de résistance. En termes de résistance. Ah, mais ça, c'est... attends, ça c'est mieux. Ça c'est mieux en tout point. On lui met la tunique. J'ai l'air d'un con avec la tunique. Le collier. Tout le monde a un collier à la con. Ça aurait été rigolo qu'il fasse les visus. Si tu l'habilles n'importe comment. Ouais, j'avoue. Ça aurait été tellement drôle. Ça aurait été tellement bien. Armure en cuir. Ah, elle a pas parce qu'on en a pas. Et les bottines fourrées, c'est le mieux qu'on a à lui offrir. Par contre, elle a pas de... Elle a pas parce qu'elle a que des lances. D'accord, très bien. Ah, du coup, on a l'égaliseur. Voyons voir. L'égalisation, attention. Les différents points de l'égaliseur vous permettent d'ajuster les différentes aptitudes selon vos envies et vos possibilités. Vous pouvez choisir d'être plus efficace contre certains types de monstres, d'augmenter votre résistance aux éléments ou à certaines afflictions, entre autres. Il est cependant nécessaire d'utiliser des points pour activer les différentes sections de l'égaliseur. Plus vous en utilisez, plus vos possibilités seront grandes. Vous obtiendrez des points à chaque fois que vous montez de niveau. C'est à vous de jouer. D'accord. Donc là, on a le choix entre... Ah, la section efficacité contre les monstres est inactive. Améliorez-la une première fois pour activer le pouvoir et faire des ajustements. Vous utilisez... Ah, quoi, c'est quoi ? Efficacité contre les monstres ? Oui. Peut-être. D'accord. Il y a en tout 6 types de monstres. Oh mon dieu, c'est tellement grand, il y a tellement de choses. Il y a les monstres blindés, tels que les golems ou les robots, sont faits de pierre ou de métal, rendant ainsi leur corps plus solide. Ah d'accord, faut choisir entre les deux. Ensuite, les bloops. Sérieux, ça s'appelle des bloops ? Et les octoplasmes, eux font partie des monstres dits visqueux, comme leur nom l'indique, leur corps est mou et visqueux. Forcément. Nous avons ensuite les monstres primitifs, apparentés aux animaux sauvages. On retrouve parmi eux les loupiques et les piafoudres. D'un autre côté, il y a les monstres dragons, comptant les foudragons et les vouivres, entre autres. Les fées, comprenant par exemple les floras et les spectres, sont des monstres mystérieux et enchanteurs. Les monstres bruts, quant à eux, sont des animaux sauvages dont la nature s'approche de celle des humains. Les hamstergasters, les grincheux en font partie. Durant votre aventure, il se peut que vous trouviez des équipements efficaces contre certains de ces types, équipez-les pour avoir de meilleurs résultats. L'égaliseur peut aussi influencer sur cette efficacité. N'hésitez pas à en faire usage pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc là, en gros, on peut choisir d'aller plus... Ah d'accord, oui, on a le choix entre genre les golems ou les visqueux. Alors plutôt, plutôt contre les golems, ici, ce sera plus contre les dragons. Sauf que on a qu'un point à mettre dedans, donc on peut le faire que sur un seul truc. Après, tu vas récupérer des points. Bah, les golems. Oui, je suppose qu'après, je vais gagner. Là, j'ai 29 points. Pardon. Est-ce que je peux l'améliorer encore? Ah, 4 points pour avoir au niveau 2. Oui, mais j'ai 25 points, c'est pas grave. Allez, au niveau 3. Comme ça, au moins, on a un de chaque. Voilà. Ça, et là, c'est anti-fée ou anti-brut. Allez, brut. Pouf, voilà, comme ça, on est bien. Ensuite, ici, la section de résistance est inactive. Améliorez-la. On va l'améliorer. Pouf, un point. Certaines compétences sont un élément attribué. Boule de feu, par exemple, tient une taille de type feu, sans déconner. 5 éléments, le feu, l'eau, le vent, la lumière et l'ombre. Selon les monstres, plus efficaces ou au contraire moins efficaces. Certains monstres ont une résistance très élevée à certains types dans les cas. Essayez d'utiliser des attaques d'autres types pour trouver leurs points faibles. Certains monstres utilisent aussi des attaques élémentaires. N'hésitez pas à équiper des objets pour augmenter votre résistance à certains éléments. Il vous est aussi possible d'utiliser l'égaliseur afin d'augmenter certaines résistances. C'est le but de cette section. Très bien. Donc là, on peut être soit feu ou confusion, eau ou poison, lumière ou ombre, et vent et sommeil. Bon, clairement, je pense que de type ombre, c'est pas du luxe. Ensuite, on a les butins. Ajuster le butin. Et là, les aptitudes. Très bien. Vas-y, fais péter, histoire qu'on puisse voir. Alors, définis le nombre de points d'expérience gagnés par rapport au florin gagné. Ce point est neutre pour le moment.
Définis le florin. Attends. Définis le florin gagné par rapport aux équipements gagnés. Ensuite, définis les matériaux rares gagnés par rapport aux équipements gagnés. Définis les matériaux rares par rapport aux points d'expérience. Ah non, mais moi j'ai pas du tout envie de toucher à ça, quoi. Parce que genre, je suppose que tu dois... Oui, mais je veux pas du tout, je veux pas l'améliorer, quoi. Ah oui, non, mais c'est chiant, mais moi je veux pas avoir plus de trucs que d'autres. C'est... J'ai pas envie d'avoir des trucs comme ça, moi. C'est... Non, 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 non. La section... Ah, l'aptitude. Alors, qu'est-ce que c'est que les aptitudes? D'accord, bon, ils n'ont pas fait de trucs. Ok, on augmente la défense, on augmente l'esquive, on augmente la fuite, on peut augmenter l'endurance, les attaques à longue portée ou les attaques au corps à corps. Globalement, je pense que la défense, comme ça, on prend moins dans la gueule. Hé. Et on a encore 10 points. Donc, on va augmenter une seconde fois celui-là. Ah! C'est 10 points pour améliorer un seul truc. Ça fait mal. Ça fait très mal, très bien. Bah du coup, on va augmenter celui-là. C'est 2 points. C'est bien 2 points. Celui-là, c'est 3 points. 3 points, allez, c'est très bien. Du coup, on a ombre, là on a feu, là on a poison. Et il faut 6 points, donc on améliore rien d'autre. Parce que, en vrai, là j'ai peur de ce que ça peut... ce que c'est censé faire, quoi. Le nombre de points gagnés par rapport au florin... Genre ça. Pour monter butin au niveau 1. Non. Ouais. On verra ça plus tard parce que là ça devient compliqué. Et je n'ai clairement pas envie d'y toucher. Et le gardien de toute façon ne peut rien y faire. Ok, très bien. Alors. C'est par là-bas. Le boss. The boss. Bonjour, boss. C'est Hugo. Mais il s'appelle Hugo. Pas Hugo, il s'appelle Sorhan. Je vois que vous êtes revenu, sain et sauf. Alors, qu'est-ce que tu ramènes? Je vous présente mon gardien, Elio. Il est chanty. Ton gardien? C'est toujours si rékéké, un gardien. Hé, hey, nom d'une citrouille moisie, ça existe pas le respect chez vous? J'ai du nom d'une couille. Nom d'une couille moisie, ça existe pas le respect. Ah les gars, ce soir on fait la fête, préparez-moi un banquet. Je veux que ce soit grandiose et que ça en jette un max. Un banquet? Oh, vous êtes sérieux, boss? Tais-toi, Carl, s'il le dit, on va pas le contredire. Bois. That night, the Sky Pirates celebrated Evan and his friend's success into the wee small hours. They all agreed that Evan was a fine young man indeed, and that he would make an even finer king. And then, morning came. Putain, elle a parlé trop vite. J'ai pas le temps. Regardez Regardez là-bas, haut, dans le ciel, il y a quelque chose. Oh, c'est déjà le matin. Gosh. Et en fait, c'est le château dans le ciel. Le non, soleil qui brille dans le ciel. Soleil. Et là, tu vas voir que Elio, il va devenir super fort parce que... c'est le soleil, quoi. Pour ceux qui ont pas fait les langues mortes. You mean to become king of this here world, is that not so? Yes. Well now, there's a thing. I see something in you. And I'm not the only one. What are you doing? The men of Cloudcoil Canyon do hereby swear fealty. Mm-hmm. I serve you now, your majesty. Huh? Gosh. Gosh. So it was that the very Sky Pirates who had once sworn to take Evan's life now swore to devote their own lives to serve him. Ouais. And with this fledgling following, he took his first steps. Le monde au milieu du fou rire. The world. Le chemin blanc. C'est chaud. T'as perdu un œil. Ah. Oh. Coucou toi. You seem pleased. Tu as l'air bien joyeux, Evan. I am. Oui, comme tu l'avais dit, j'ai rencontré beaucoup de gens et qui sont tous devenus des amis précieux. Peut-être bien que j'arriverai à tenir la promesse que j'ai faite à Mina. Qui est morte, on le rappelle, elle est morte. Mmh. Ah,
ramener la paix dans le monde. Tu es vraiment incroyable. Tu sais, Evan, c'est difficile de bâtir un pays. C'est encore plus difficile de le faire prospérer. Et puis bon, je vais pas dire, mais t'as les oreilles de chat quand même, donc voilà. De nombreux obstacles risquent de se dresser devant toi. Oui, j'en ai conscience. Arrête de parler comme ça. Mais j'ai pris ma décision, je dois avancer. Voilà une réponse bien digne d'un roi. Tu vas certainement rencontrer encore plus de personnes, et tu devras faire attention à chacun d'entre eux. C'est que la force d'un roi se trouve dans le cœur de ses sujets. D'accord, je vais essayer. Désolé, j'ai encore pris mon air sérieux. Enfin, depuis le début, en fait. De toute façon. Mais je n'ai pas raconté n'importe quoi. C'est une personne en qui j'ai confiance qui m'a dit tout ça. Et en fait, on va découvrir qu'à la fin, le garçon mystérieux, en fait, c'est son père. Bon, allez, je te laisse, à plus tard, Evan. Salut. Peut-être son père quand il était plus jeune. Vous voulez vous sauvegarder après? Oui. Un oui. Roi. La reine du courage. It's a new day. It's a new world for me. It's a new... Repère des pirates. Fin. Fin. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire d'Evan qui fut écrasé par une grosse autruche. Quoi? Par une vouivre, pardon. Je sais que j'ai promis de suivre Evan. Mais où je vais bien pouvoir mettre tous mes hommes si on n'a même pas de terre pour construire le royaume? Yeah. De toute façon, on peut pas vider notre repère d'un coup comme ça non plus. Mais oui, c'est clair. Oi. De quoi vous parlez tous les deux? De Tiger Beach. Et on réfléchit à où fonder notre pays. Allez, hop, on fait un petit pays tranquille. Hop, hop, hop. Ce sera la Bibili. Ça va pas être de la tarte. On aurait commencé par envahir un village. Ça ferait une bonne base de départ. Vous voulez tuer des gens? Non, nous n'utiliserons pas ces méthodes de sauvage. Vous êtes un sauvage, d'accord? Du calme, mon gars, c'était une blague. Merde. L'endroit que nous choisirons sera capital pour la suite de son développement. C'est une décision extrêmement importante. Oh, on n'a pas l'air d'aimer plaisanter. Ouais. Oui. On dirait être au petit point. Je suis le président of the fucking United States, ok? Je ne rigole jamais. Je ne rigole jamais. En même temps, on parle de choses sérieuses. Putain, mais t'as 9 ans et demi, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai qu'il ne rigole pas souvent. Non, mec, please, quoi. Dialogue de malade. Un royaume fraîchement fondé comme un oisillon qui vient de naître. Il sera automatiquement la proie de tous les prédateurs autour de lui. Il faut qu'on se cache dans un trou. La localisation de ce royaume est donc un élément critique qui permettra d'éviter son annexion immédiate par ces royaumes plus importants. Où est-ce qu'on doit aller alors? Bah, deux secondes, je réfléchis, gamine. Il nous faut un endroit non seulement difficile à attaquer, mais également riche en ressources. Mais les gars, putain, mais genre t'as un scanner là pour savoir où c'est qu'il y a rien en chose? Et cet endroit est... mon cul. Oh putain, on va devoir choisir. Ici. Là. Le triangle des Bermudes. Evan and his motley crew of would-be kingdom builders turned their gaze eastward to the heartland. Ça a l'air tellement simple de faire un royaume selon lui. Yet unclaimed by any nation. But would they prove a fitting prémisse. Place for Evan's promised kingdom? Prémissia. Oui, la prémisse quoi. Prémissia. Ouais, ouais. Chapter 3. Chapter 3. The town la ville du hasard. Et c'est ainsi que Sacha quitta le Bourg-Palette. Les plaines de Prémissia ne sont pas très loin d'ici. Il suffit de descendre la montagne et de traverser les ruines. Il suffit. Tu sens que ça va être la merde. Ne pourrait-on pas nous y rendre par les airs? Well, no. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ben non. Ici, on se déplace uniquement grâce au vent de la vallée. Hein. On peut pas vraiment aller n'importe où, n'importe quand. Ah, il ne nous reste donc plus qu'à marcher. Ouais, sauf qu'on va avoir un petit problème. Ces derniers temps, les ruines nous séparant de Prémissia grouillent de barbares. C'est pas vous le barbare? Ah. Pirate, barbare, c'est une sacrée région que vous avez là. Yeah.
hier. Ces barbares sont très nombreux, donc ils croient pouvoir faire la loi par ici. Mais nous aussi, on est nombreux. Et quand on veut... Non, d'accord. Nous aussi, on est nombreux quand on veut. Il va nous falloir quelques bons chefs de troupe. Parce que des fois, quand on veut pas, on n'est pas nombreux, tu vois. Et des fois, on tue des gens, du coup, on est moins nombreux. Et quand on veut, on les refait vivre. Chantilly, va me chercher les deux meilleurs commandants. Chantilly, go. Ouais, ça va être Carl et Grant, je suppose. Vous nous avez demandé, boss. On va fonder un nouveau royaume dans le coin de Promicia, mais on va devoir traverser ces ruines infestées de barbares. Vous allez devoir nous suivre avec vos hommes et nous aider à leur botter le cul. Oh, il va y avoir le baston, c'est ça? Yes, on va enfin pouvoir se défouler. Ah, super, j'ai la nièvre. Mais qu'est-ce qu'elle fout, Maggie? On a rien dit. Attends, Maggie, qu'est-ce que tu filches là, toi? T'es pas appelé, hein, que sache. Tu vas rester ici. C'est pas juste, je veux voir ce nouveau royaume, moi aussi. Bah alors, tu fais trop bien. Ça, on va pas qu'à le faire. Hein. Moi, je dis qu'elle n'a qu'à venir si elle veut, pas vrai, Evan? C'est vrai. Tous ces mecs comme ça au même endroit, ça fait un peu trop homosexuel. De quoi. Testostérone. Ouais, ça me dérange pas. Bon, bah, puisque ça dérange pas Evan, y a pas de raison de refuser. Mais je te préviens, t'as pas intérêt à nous ralentir. Et c'est quoi cette société de sexistes là? Oh oui, tu l'as fait, oui. Carl Grant et Maggie vous ont rejoint. Bon, Evan, à partir de maintenant, je vais combattre à tes côtés. Moi aussi. Je te laisse t'occuper de notre stratégie de combat. Si t'as besoin de quoi que ce soit, il suffit de donner un ordre. Soran nous a rejoint. Soran. I'll be counting on you. Merci de votre aide. De ton aide. Bienvenue parmi nous. Bon, allons-y, direction les plaines de Premicia. Sauf que on va s'arrêter là forcément pour cet épisode incroyable, n'est-ce pas? On s'y attendait pas du tout. Du tout, du tout. Aïe. On espère donc que je ne vais pas mourir avant la fin de l'épisode. Que cet épisode vous a plu. On va vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ni No Kuni 2. Où là on a récupéré tellement de gens. On a des gens dans l'équipe. On a un truc de menu qui est toujours pas débloqué, on sait pas à quoi ça va servir. Mais on a des gens incroyables, on a Zoran qui est dans l'équipe, mais en fait qui n'est pas du tout à l'écran. Pourquoi? D'accord, très bien. Oh, regarde, il y a un selfie de Zoran. Voilà une photo du boss. Evan m'a dit de la mettre sur mon PKBook. Très bien. On vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Salut, salut à tous. J'ai vu un truc trop louche dans la forêt aux mousses. Mais c'est quoi ce truc? Ça y est, tu l'as vu. T'es maudit à vie. Adieu. OMG, j'y mets plus jamais les pieds. Regardez-moi un peu ce grincheux. Pas mal, non? Ça n'avait pas été facile à prendre. Vous l'avez pris de très près. J'aime les grincheux. Chacun ses centres d'intérêt, hein. What the fuck? C'est assez pété. Ah, assez le. Mais je t'aime, mon amour. Regarde si je fais ça du tout. Elle parle au chat. Regardez, il est tellement heureux d'être là. C'est l'amour fou, n'est-ce pas? Laissez-moi m'enfuir, humain. Laissez-moi partir, à l'aide.